Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de GTA 4 et donc le 12e épisode. On avait fait la dernière mission avec Little Jacob et c'était un petit peu tendu. Enfin, j'étais tout seul, mais c'était pour Little Jacob et Elisabetta et c'était tendu de chez tendu dans cet hôpital abandonné. Ah, coup de téléphone de Mallory. I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is, but she was lying to us all along and now I'm paying for it. Niska, there was always something funky about her. I'm real sorry. Ah, c'est facile d'être désolé, mais tu nous as foutu dans la merde. Vous voyez, il n'y a pas que dans GTA 5, dans le 4 aussi, il y avait déjà des gens qui parlaient tout seuls dans la rue. Or you'll end up in darkness. I've been there. It's not nice. It's not love. You want love, don't you? Il est bizarre son bandana. Taking the medication. C'est le truc qu'il a sur le front, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. On aurait tiré un œil ou je sais pas quoi. My mistake. Oh merde. Ça commence bien. Bon, bah, on va devoir se mêler flic. Démarrer le gameplay. Ça fait plaisir. Voilà, allez. Donc bon, on va continuer un peu l'émission d'Elisabetta. Désolé. Alors, c'est où? Ah, c'est là. Oh, Brucey. You want to feel the sea air in your face, huh? Why don't we go for a powerboat ride, dude? Sorry, Brucey, I can't roll with you in the powerboat right now. Fuck. Another time? I was just getting jacked up thinking about hanging with you. Shit! Another time, bro. What's up, dog? Tu es désormais pote avec Brucey, tu peux l'appeler pour lui proposer une autre activité ou attendre qu'il te recontacte. Ouais, ça c'est vrai que c'était... Alors c'est bien parce que du coup ça permet de débloquer certaines choses, d'être bien pote avec les personnages, mais d'un autre côté c'est long aussi. Et il faudrait que je le fasse en dehors de gameplay je pense. Je pense pas que ça soit intéressant pour vous de faire des trucs comme ça. Après si jamais ça vous intéresse, dites-moi le, mais je pense pas que ça soit le cas. Hey, man, this is getting out of control. The police are all over me. I can feel them. So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, God, all this work for nothing, man. Being tough in a man's world. Guess I wasn't so tough, huh? Jorge turned state. Everyone's a rat. Not me. Whatever. Open up, man! Who is it? It's the streets, man! Okay, hold on! Alright, man. This is what Manny's all about, man. Manny! Now word out, bitch! You better stop slinging that shit on my streets, yo! We don't want it anymore! Hey, OJ, you catching this? Rolling! Is this, Manny, for fuck's sake? The streets have spoken! Now leave my people alone! Yo, Nico! What are you doing here? I am not in the mood for this right now! Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor and broker who can help. Come on, let's put him in my car. Monte dans la voiture. Eh ben alors vous voyez, ça, c'est pour ça que je suis content de refaire GTA 4, parce que alors je me souvenais absolument pas qu'elle l'ait buté. Alors vraiment pas. Amène mes cadavres au médecin. Donc là je pense qu'il faut pas abîmer la bagnole.
Ouais, allez, on est parti. C'est où? On va faire la route ensemble. Vu que ça fait partie de la mission là. Le but c'est d'éviter que le coffre s'ouvre. Hein. Voilà, on est discret devant les flics quand même. S'ils aiment pas qu'on leur passe à toute vitesse devant. Ça va. C'est le taxi. Oh putain, c'était juste. Hein. Oh, elle s'est pas arrêtée. J'ai cru que j'allais péter la barrière. Jacob. Shit, Jacob, I'm sorry. I'm already hanging out with two friends. I've kind of got my hands full looking after them. We should do something soon, though. Je suis déjà avec deux potes. Il serait bien de fermer le coffre. On fait quoi? On monte dessus? Ah putain, ils avaient fait ce... Ah ouais, bon c'est marrant, on a pu voir un peu... Je savais pas qu'ils avaient fait ça. Je me souvenais pas. Qu'ils avaient fait ce système-là de pouvoir fermer le coffre. Bon, forcément, c'est que pour cette mission. Hein. On peut pas le faire le reste du temps. Mais... C'est marrant d'avoir vu cette interaction. Voilà. Fin de l'histoire. I've heard you'll take care of them. Natural causes? Of course. Seems like a bullet in the head is as natural as it gets in this town. They weren't sick, were they? No. Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. Oh, putain, c'est un truc de help a lot of folks. He'd been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. Ouais, c'est un comble, ça. Putain, c'est chaud. Bon bah ça c'est fait. Plus de mission pour Manny du coup. Hein. Ça va être compliqué d'en refaire. Vous allez me dire. Bah il va falloir se trouver une bagnole. Voilà, tu m'as un petit peu coupé le téléphone. Donc du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas me donner ta bagnole. Et puis on va aller... On va aller pour Playboy. On va attendre voir si ça rappelle deux secondes. Et sinon, si ça rappelle pas dans une minute, là, je couperai puis on se retrouvera devant chez Playboy X. Simplement. Et je pense que ça a coupé l'appel. Donc, si je la rappelle moi, peut-être. Ok les potes, bah, je vais couper là, puis on se retrouve devant chez Playboy X. Arrive dans le quartier de l'appartement de Playboy X. On va voir un peu ce qu'on va faire pour lui. Hein. Let's go.
Disconstruction for beginners. Hey, sup, money? Hey. Come on. Ladies, give me a few minutes. Business calls. This is my time. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. So I guess you do okay. Yeah, okay. But what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Build an army. But in my work, the people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay, but I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. Motherfucker got out? Damn! My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would've laid on a party, got some freaks out. Shit. I called. Couple of times. Man, hey, Dwayne, this is Nico. Hey. Nico Dwayne Forge. Taught me everything I know. Not everything. So, hey, man, where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out, I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What, your silk sheet? Fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey, now, I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help, just holler. Hell, this Slavic motherfucker any good, he can help you. Now, you know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Just give me 1 second. Ain't folk quick to forget. Some folk. Yeah, that's the truth. Where did you get out from? Preschool. Okay, Dwayne, we gotta roll. Please make yourself at home. Hell, this is your home. This jet money. Motherfucker must think I'm an idiot. We going to Castle Gardens. There's an alley we want to hit up just off the South Parkway. Ok. Laisser des armes dans une voiture garée dans une ruelle du centre-ville. All right. Oh, putain, je crois que je me you heard de of Youssef Amir? Big real estate developer? I don't know. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet. But I got an idea about how me and him can get friendly. Some Italian dudes shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near him. What are you suggesting we do about it? You gonna go in there and get them mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell Yusuf how good we've been to him. That cat and me is gonna be tight as two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you after. Cold, hard cash. That what you chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit! Union is just another word for mafia. These cats is looking to squeeze our boy Amir for dollars just because he ain't from here. When we fuck their people up, they'll realize that he ain't a cat to be messed with, and they'll back off. Okay? Shit. Yusef is from Dubai. He's an African, and he's coming to Liberty City to make it big. It's my duty to watch this cat's back. My ancestors came from Africa. Now he's coming out a bit later. Me and him could be cousins, shit. I think you might want to look at the map, Playboy. Dubai isn't in Africa.
Shit, it all the same. Africa, America, Dubai. It don't matter. We're brothers. Spiritually, I mean. And that's the important bit. Chill the fuck out! Bon, on en est où là? Ah bon, on arrive. On arrive, peut-être pas tant que ça en fait, hein. Putain, je me souviens pas que c'était aussi long son chantier là. Ah ouais, si c'est... Okay. Ouais, t'es tendu cette mission. Tendu de chez tendu, je me souviens. I left some heat for you in that car, money. You're gonna be strapped. Sniper rifles, grenades, all that shit. Stylé le 4x4, avec ses jantes. Yo, there's three lookout cats making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the rest of them. I'm gonna get into position where I can see all the shit going down. If you can take out the main cats, then the rest of them shouldn't be a problem. When you in there, I'll give you the lowdown on where these main cats is at. You might be better seeing the lookouts from up here too, money. Okay. Shit. I needed to find a cat like you. Let's party. That motherfucker ain't afraid to take fools down. Yeah, well, I need money, so you're in luck. You're gonna kick some ass down there, boy. I'm backing you up. Okay. La lumière et tout là-bas au fond, c'est stylé. Élimine les gardes. Bon, on va s'occuper de celui-là en premier. Il doit être au bout. Non. Ah, il doit être là. Ouais, c'est ça. Ok. Alors. Lui, c'est fait. Ouf. Il devait y en avoir un autre. Mais là, il n'est pas là. Il est où le deuxième? De l'autre côté? Non. Ah, il est là. Ok. Alors, ça c'est fait. On va avoir des fusils d'assaut, ça va être cool ça. Depuis le début on n'en avait pas. Ouais, bah, je pense qu'il s'est... Il a dû... If you can't see anything else, ah bah oui, il m'a donné un fusil d'assaut. Classe. Naka. Bon, chantier, trouve les premiers honneurs syndicalisés. Allez, on redescend. Okay. Heureusement, là, on n'a pas de parachute. Oh, I just want to get in there and make shit happen. Allez, kid, on va prendre le 4x4. Le cavalcade. Et let's go! All right, you win, money. The first guy is on the scaffolding in the building east of the yard.
se passe quoi là? Ah ok. You ain't bringing in no immigrant scabs. We're gonna fight to keep this place clean. This is a union matter. Get. Ouais, ils sont... Alors... Ah, il est là-bas, ok. J'explique comment tu me tirais dessus, toi. Le prochain mec est au sud de ta position. Est-ce que monter sur la... Ah ouais ok, il y en a là. Ça c'est fait. Vas-y, relève-toi. Ah. Il aura pas de passer par là. Ouh putain, j'avais pas vu lui. Ok, ah oui, d'accord, je me souviens. Oh, oh. Il sort d'où ta grenade, frère? Ah, il m'en a donné aussi, ok. Mais là, j'ai buté tout le monde, en fait. Ah non, il y en a un là. Ok, allez, vas-y, on sort de là. Ah ouais, y'en a un là-bas. Ok, donc là on va passer dans l'angle. Je vais ramasser les mumus, on sait jamais. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai 20 minutes d'enregistrement par séquence. Donc... Non, c'est bon, on est à 13. Ah ok, ils sont là. Trop dur là, il y a très peu de sensibilité. C'est bizarre. Ouais. Ouais.
Hop, mets-toi là. On va ramasser les mumus, hein, comme ça j'aurais pas en acheté. Ok, il y en a là. Là c'est bon. Je refaire la... Qui respire comme ça, des fois il me fait flipper. Ça c'est bon. Ah, ça se finit comme ça? Non. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in. You the money, son. USAS PA won't put me through to the cat. But when they hear about this shit, they're gonna start listening to Playboy. Ah ok. Putain, il m'en plaît pas. Il me semblait qu'on faisait une poursuite avec l'hélico. Mais l'hélico, il s'est barré en fait. Je croyais qu'il était encore là. Ah, c'est bon, lui il est gentil. Bon, bah on va redescendre. De là, on va aller récupérer le 4x4 et puis voilà. Bon, on va descendre par là. Ça devrait le faire. Je sais pas pourquoi il a pas voulu prendre la... Ok. Oh putain, il m'a fait peur lui. J'ai cru qu'il allait me défoncer la gueule. Est-ce que le 4x4 y est encore? Puis on va continuer. Yo money, I appreciate what you're doing for me. There be so many fake cats out there. You remember my man, Dwayne? Sure, just got out of the pen. Old friends aren't paying him no mind. Yeah, that's what he thinks. He got friends all over the shop, but he's living in the past. Now I need you to go over to the Governor Greg Johnson Projects over in Northwood. He holding up there and needs help with some shit. You assist this broke ass, I'll send some paper your way. I owe that fool. Can't pay back a biatch. Peace out, money. Ok, ben on aura une nouvelle mission pour Dwayne. Et puis on va arrêter là de toute façon, parce que ça fait une demi-heure de vidéo. On va faire un peu comme d'habitude, c'est vrai que les dernières vidéos étaient un peu plus longues, donc là on va couper là pour aujourd'hui les potes, j'espère que cet épisode vous aura plu, on a eu un peu d'action encore, hein. Ça commence vraiment à s'enchaîner là, des bonnes grosses missions qui font bien plaisir. En tout cas comme d'habitude, si ça vous a plu, le gros pouce bleu du soutien, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 12 de GTA 4, n'hésitez pas aussi à le partager à vos amis ou sur vos réseaux sociaux, pardon. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux sur Facebook, Twitter et Instagram dans la description, ainsi que les liens pour les playlists de musique sur Spotify et YouTube. Les liens du crew GTA Online. Je vous remercie de regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous découvrez la chaîne via cet épisode. Encore merci à tous, bonne fin de journée et à très vite. Ciao.